Salut à tous, c'est les Alcoolites. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vodka bonbon un petit peu spécial. Vodka confiserie, vodka chocolat, vodka Kinder Bueno. Ça va être clairement un crash test hein. Franchement, je suis passé devant, j'ai fait oh, vodka bonbon. Est-ce que ça va être buvable? Ouais, bonne question. Bonne question. Du coup pour ça on a pris un petit pot. Comme ça ça va être plus pratique à faire. Une vodka à 5 balles. Les vodkas d'Allemagne, Uranov. Et bien sûr les petits Kinder Bueno White. Donc on a pris un paquet de 6. On n'oublie pas, comme d'habitude, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut la consommer avec modération. Le but de notre chaîne c'est juste de vous partager nos créations, mais en aucun cas vous inciter à la consommation. Alors on fait attention avec ça. Allez, c'est parti. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va goûter le produit. C'est une bonne idée, ça. Voilà. C'est bien. C'est trop bon. Ça fait trop chier de faire une vodka bonbon avec. Bon, on arrête la vidéo, on mange. Ouais, mets ça de côté. Donc, on va prendre tous les Kinder Bueno. Donc, en tout, on en a 11. Et on va les mettre dans le bocal. Et après, on va passer au plongeur pour les mixer. Et après, on mettra la vodka. Tous nos Kinder sont dans le bocal. Je pense qu'on va mettre un petit fond de vodka. Et on va commencer à mixer. Enfin, un peu de rangement. Et on va faire un petit coup de mixage. Attention les oreilles. On remet un peu de vodka. En fait, il faut qu'il y ait plus de vodka. Bon, franchement, ça a l'air dégueulasse, c'est horrible. La consistance est très 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 bizarre. Bon, on a notre petite pâte. Normalement, ça va pouvoir bien infuser au moins. On va mettre toute la vodka, puis on verra ce que ça donne. Je sais pas du tout combien de temps ça va prendre à se mélanger. Là pour l'instant ça a pas l'air ouf. Je pense que dans 24 heures c'est peut-être bon, peut-être plus. On va essayer de le mélanger régulièrement pour pas que ça colle au fond. Bah de toute façon on se retrouve tout de suite quand ça a fini de se diluer. Pour la dégustation. Ok, on se retrouve, ça fait 3 heures. C'est une vodka bonbon que tu voulais pas faire. Moi je voulais la faire. Bah du coup ça fait 2 heures. C'est dégueulasse. Il y a des morceaux de Kinder qui flottent. Vas-y, on la filtre de toute façon, on met en bouteille. Et après on goûtera un shooter. Vas-y. Tiens, moi je tiens ça. Donc la gaufre ne se mélange pas avec la vodka, du coup on va l'enlever au fur et à mesure. Jusque là, c'est normal. Dans quoi tu nous embarques? On est en train de faire une vodka Kinder Bueno, vous vous rendez compte ou pas? Au point où la chaîne nous emmène quoi. Si c'est grave bon, imagine. Si c'est grave bon, ça fait le buzz de YouTube ça. J'ai l'impression de voir de la bouillie là, comme on mangeait quand on était petit. C'est dégueulasse. T'es fou. C'est dégueulasse. C'est quoi du coup? C'est que la gaufre tu penses? Il y a un petit peu de chocolat, mais il y a de la vodka. Mais en vrai, il y a moyen que ce soit bon quand même. Là, tu vois, j'ai le petit goût de Kinder Bueno à la fin. Il y a moyen. Il y a moyen que ce soit bon. Moi, je pense que ça va être bon. Mes espoirs ont changé en une bouchée de bouillie. On va refaire un petit tour de filtre. Parce qu'on veut vraiment avoir quelque chose de très lisse. Histoire que ce soit quand même bon à boire quand même. Un minimum. En vrai, il n'y a pas grand chose. Ouais, c'était pas grand chose, mais on a bien fait de le refaire. On range ça et on sort des shooters pour goûter. Shooter, vodka Bueno. On n'a pas la petite mousse. À la tienne. Je m'attendais à pire. Bah franchement, ça n'a pas beaucoup de goût. Ça n'a pas beaucoup de goût, mais il n'y a pas la vodka qui agresse quand même. Non, ça va. Ça l'adoucit. C'est pas extra. Ça passe en shooter. Ça passe en shooter, mais franchement... C'est pas un truc de ouf. Hein. C'est parfait. C'est parfait. On a fait un crash test pour vous. Que vaut une vodka arrangée? Oh, on a le Bueno sur la fin. Là, je l'ai. Moi aussi, je l'ai. C'est pas très fort. C'est pas très fort. C'est vraiment tout doux. En vrai, de vrai, je m'attendais vraiment à pire. Je m'attendais à un truc... Je m'attendais à un truc pâteux dégueulasse. Ouais. Au final, on a quand même quelque chose de pas trop mal. Ouais. Moi, franchement, je vous dis de pas la faire. Ouais, en fait, y a pas. Mais nous, on va la boire quand même. En soirée, avec le copain, ça passera très bien. Mais en tout cas, bah, on espère que cette vidéo vous a plu. Notre but de notre chaîne, c'est de vous présenter nos créations que vous pouvez refaire, mais aussi des créations qu'il faut pas refaire. Faut pas refaire. Au moins, vous savez qu'il faut pas refaire une vodka Kinder Bueno. La chaîne, elle va s'appeler les Alcoolites Test. Bref, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'était vodka bonbon. La semaine prochaine, ça sera encore autre chose. On a un contenu assez diversifié. J'espère que cela vous plaît. Puis n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Mettez un j'aime et commentez. Pourquoi pas, ça fait plaisir. À la semaine prochaine. Ciao.